organisé ici à l'Afrika Film Festival de Louvain une mini rétrospective de mes films en trois films, c'est-à-dire Un rêve d'indépendance, puis Sorcière la vie et Entre la coupe et l'élection, qui ont été faits respectivement en 1998, en 2004 et en 2008. Donc c'est quand même un balayage d'un peu près toute mon expérience filmographique, et c'est vraiment très valorisant pour moi, je suis très contente. Par rapport à Un rêve d'indépendance, il s'agit de l'histoire de mon grand-père qui était assistant médical, c'est-à-dire un statut entre l'infirmier et le médecin qui existait pour les Congolais à l'époque coloniale, statut qui a complètement disparu alors que ces personnes étaient, on va dire, en haut de l'échelle sociale côté congolais, colonisé à cette époque-là. Et donc c'est un peu un rappel à travers lui de ce qu'était la période coloniale et de ce qu'étaient les aspirations de ces gens qui espéraient se rapprocher le plus possible du statut du colon à l'époque. On les appelait les évolués à cette époque-là. Donc ça, il s'agit du film Un rêve d'indépendance. Le deuxième film, Sorcière la vie, parle un peu de ce qu'est pour moi personne de la diaspora, fille de la diaspora étant née en Belgique, ce qu'est pour moi cette relation à la sorcellerie qui existe beaucoup culturellement en Afrique. Donc j'effectue dans le film Sorcière la vie une sorte de voyage à l'intérieur de ces croyances traditionnelles en compagnie d'un juge coutumier qui s'appelle Dieka Malonda et qui est l'ami de mon grand-père. À l'époque du film, il avait 84 ans. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi, mais en même temps d'assez complexe à réaliser et à faire. Alors, par rapport au dernier film, Entre la coupe et l'élection, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Guy Kabeya-Mouya. Nous sommes allés à la rencontre de la première équipe d'Afrique noire qui a été à une Coupe du Monde de football. C'était en 1974 et c'était en Allemagne à ce moment-là. Et on va dire qu'on parle beaucoup des Camerounais comme grands footballeurs africains, mais les premiers, historiquement parlant, c'était les Zaïrois à ce moment-là, Congolais qu'on appelle aujourd'hui. Et ils avaient là, à l'intérieur de cette équipe des personnalités extraordinaires, des gens qui ont vraiment marqué l'histoire du football, aussi bien africain que mondial. Et j'ai eu envie, avec toute une équipe de jeunes congolais qui en fait ont été l'équipe technique du film, c'était des gens qui apprenaient à faire des films, on a décidé de faire un film de formation sur cette équipe-là. Moi je pense qu'au niveau de l'image du Congo, de la filmographie du Congo, il y a très très peu de choses qui se font et finalement c'est important l'image par rapport au fait de se définir soi-même. Je veux dire, la filmographie des États-Unis a fait qu'on sait ce que sont les États-Unis. Il n'y aurait pas eu les films sur les cow-boys et les Indiens, il n'y aurait pas eu les films sur la guerre de sécession, on n'aurait pas su l'histoire des États-Unis, parce que autrement il faut le lire, il faut l'étudier, et nous savons tous que bon, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais donc c'est une manière vraiment populaire de diffuser une image, une histoire, des convictions, le cinéma. Et concernant le Congo, c'est tellement peu fait qu'effectivement j'ai préféré commencer par rappeler la mémoire de personnes disparues ou sur le point de disparaître, c'est-à-dire pour la plupart des gens qui ont vécu l'époque coloniale et qui sont tous en train de partir, je veux dire les derniers, bientôt, d'ici 10 ans, ils ne seront plus là. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'urgence de relater leurs histoires, de les enregistrer tant qu'ils sont encore là, ou alors, de sur base de leurs témoignages, inventer des histoires fictionnelles telles que Sœur Oyo. Moi, je pense que c'est un événement extrêmement important parce que d'abord, il est, à mon avis, unique au niveau du cinéma africain. Il est déjà là depuis pratiquement 10 ans, si je... 20 ans, voilà, il est là depuis 20 ans, sans interruption. Moi, ce qui me frappe dans cet événement-là, c'est la manière dont les Africains y sont impliqués au niveau de l'organisation, au niveau des projets qu'ils ont en Afrique, au niveau de ce qu'ils font aussi au niveau de la diaspora ici en Belgique. Je veux dire, c'est un festival qui est très très ouvert à toutes les évolutions
qui existe et qui n'est en plus qui n'est pas spécifiquement centré sur la production francophone, ce qui est extrêmement important parce que en ce moment la production francophone africaine bat un peu de l'aile, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Donc ils sont à ce niveau-là assez complets et d'où pour moi vraiment l'avantage d'être mis à l'honneur dans ce cadre-là.